Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un boneless. C'est vrai que c'est un peu dur à dire. Boneless. Boneless. Ouais, c'est une petite figure que je kiffe bien. Je trouve très accessible pour les débutants. Donc, j'enfile mes pompes et je vous montre ça dehors. Alors, le boneless, c'est un tricks old school, en fait, qui a été inventé par Gary Scott Davis. Et on peut le caractériser comme étant l'ancêtre du holly. Alors moi, ce tricks, je décompose en 5 étapes. Alors tu vas venir graber ta board comme pour faire un indie avec ta main arrière. Ensuite, tu vas sortir ton pied avant au sol. En troisième, tu vas claquer ton tail avec ton pied arrière. Tu te redresses. Et enfin, tu ressautes sur ta board. Alors pour la position des pieds, moi je mets mon pied avant à sortir vers la droite un petit peu en dessous des vis. Et mon pied arrière, je le mets vraiment au milieu du tail. Pour ce qui est du grab, j'arrive à peu près en dessous les vis. Alors moi je te le montre ici en goofy, mais si tu es régulier, c'est exactement le même process. Au début, c'est vraiment pas facile de synchroniser toutes ces étapes en fait. On a tendance à vouloir tout faire en même temps, mais il faut vraiment bien tout décomposer pour réussir à faire ce trick. Le boneless demande quand même pas mal de souplesse, donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les genoux bien fléchis. Alors ici, moi je te montre le boneless classique, mais ce que je trouve bien avec ce trick, c'est qu'il y a énormément de déclinaisons et tu peux être très créatif. Bon, on y est. C'est évidemment maintenant que je vais te demander de t'abonner à ma chaîne, de mettre un pouce vert, celui qui est vers le haut, et de lâcher un commentaire si tu le souhaites. Et voilà.